Messieurs, dames, à 6h30 pile, il faut commencer, parce que vous savez qu'il y a un enregistrement et qu'on doit saluer à la fois la salle et les internautes. Donc voilà, c'est déjà fait. Et manager, par contre, j'ai le grand plaisir de vous voir pour cette série sur les arbres. C'est mon comité dont j'ai le plaisir d'être la présidente de Sciences Morales et Politiques qui avons innové ce cycle sur les arbres, n'est-ce pas, dont Madame Corvol va être la première des oratrices. Puis vous savez qu'après, il y aura Monsieur Baird, Roger Baird, qui nous parlera des arbres remarquables du canton de Genève. Et après, en troisième conférence, nous aurons Monsieur Tassin, qui nous parlera de la sensibilité des arbres en réaction, peut-être avec des courants un petit peu trop liés aux humains. Donc voilà, nous commençons donc ce cycle sur les arbres et nous le faisons avec un grand plaisir, avec la présence de Madame Corvol. Alors, je suis obligée d'avoir un papier, car son CV est très long, Madame. Non, mais vous avez été quand même responsable au CNRS, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes donc docteur d'État, mais option histoire. Et vous avez rempli de nombreuses fonctions et de nombreuses présidences. Par contre, ce que je voudrais alors nommer, et je dois les lire, vous avez eu de nombreux mérites, dont certains, je vous avoue que j'ignorais. En 1998, vous avez été chevalier de l'ordre du mérite agricole, pour sa connaissance sur les arbres. En 2001, chevalier de l'ordre du même mérite. En 2005, vous avez été officier de l'ordre du mérite agricole de nouveau. Puis, en 2007, vous avez été fait chevalier de la Légion d'honneur pour vos connaissances sur les arbres. Donc, vous voyez, nous avons là une personne dont la carrière scientifique, mais aussi la renommée et l'exposition par rapport à ces enjeux est absolument bien connue. Elle est venue parce que nous voulions d'abord contextualiser ce cycle sur les arbres et nous voulions une histoire des arbres. Quelque part, nous dire un petit peu sur le plan historique, et c'est votre formation d'origine, historienne, quelque part, pourquoi et comment l'arbre est-il devenu, sur le plan historique, de plus en plus avec des origines, pas simplement, mais aussi dans un contexte lié aux hommes. Ce qui a fait dire, d'ailleurs, je trouve, et c'était pas très bien placé, qu'on a pu souvent les comparer aux hommes, et vous savez que ça a posé des problèmes un peu anthropomorphes, comme disent pas mal maintenant de spécialistes des arbres. Mais vous nous avez dit que depuis l'âge du néolithique, l'arbre, les humains entretenaient des rapports avec l'arbre, que ce soit durant la période de bronze, de fer, il y a toujours eu des rapports qui se sont transformés, bien entendu, et en particulier, vous nous avez dit aussi sur le plan familial, sur le plan de la descendance, l'arbre généalogique n'est pas étranger à cette histoire des arbres, puisque on plantait un arbre quand on avait un fils et que on s'attendait, n'est-ce pas, à ce qu'il ait de nombreux rejetons, comme vous l'avez dit. Donc il y a vraiment une contextualisation et une histoire des arbres dont Madame Corvol va nous parler et qui va vraiment nous introduire de façon extrêmement scientifique, mais aussi avec un très grand intérêt à ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire cet intérêt vraiment presque nouveau pour le grand public. Pas nouveau pour des gens comme vous, madame, puisque ça fait pas mal de temps que vous travaillez là-dessus. Et je crois que nous allons beaucoup apprécier la conférence de madame Corvol. Je vous remercie. Vous avez pu voir que pour l'arbre et nous, j'ai mis en introduction, en quelque sorte, un tableau
d'un fauve hollandais, Léo Gestel. Et vous voyez que cet arbre irradie, il renvoie l'énergie de la terre, sa cime renvoie l'énergie solaire dans le ciel. Et c'est cette notion de communication des énergies du sous-sol vers l'arbre, vers son tronc, et du tronc vers la cime, et de la cime vers le ciel, qui explique une grande partie des mythes qui sont liés autour de l'arbre. J'ai appelé la première partie de mon exposé la procréation, c'est-à-dire la période du néolithique, en gros de 8000 à 6000 ans avant Jésus-Christ, la période, je dirais, on rentre dans le néolithique, c'est-à-dire dans l'agriculture et dans l'élevage, à des périodes différentes de l'Est à l'Ouest de l'Europe. Et c'est une période où, en raison de l'importance de l'agriculture, qui correspond quasiment à un miracle, on met une graine dans un trou et on a un être végétal qui apparaît, le culte de la fertilité maternelle prime sur tout. Or, sans eau et sans eau maîtrisée, il n'est ni vie ni culture. Et donc, la grande mère, non pas en un seul mot, mais en deux mots, c'est-à-dire la déesse première, la première chose qu'elle a créée, c'est justement les arbres, à commencer par son arbre, avec lequel elle va créer l'ensemble des espèces vivantes, animales et végétales. Elle est donc représentée par un arbre qui, généralement, est l'essence locale dominante. Premier point, cet arbre, qui est en quelque sorte son compagnon, son mâle, son parèdre, comme on dirait de façon plus savante, c'est avec lui donc qu'elle va créer l'ensemble des espèces. Pourquoi cet arbre est-il ainsi considéré comme un dieu végétal ? À cela, il est deux raisons auxquelles on ne pense pas toujours, mais il faut se remettre dans les conceptions des mentalités de l'époque. L'arbre est le plus grand, le plus gros, le plus longévif par rapport à l'homme. L'homme n'est rien du tout, surtout à l'époque où la longévité de l'homme est faible. L'arbre est également plus grand et plus lourd que n'importe quel être vivant. Si l'on prend les créatures de l'océan, la baleine, 40 mètres de longueur et 100 tonnes de biomasse. Et si on prend la Terre, l'éléphant, 4 mètres de longueur, 10 tonnes de biomasse. Ça n'est rien du tout comparé au poids d'un mastodonte végétal. Cet arbre, dans les conditions de l'époque, est très difficile à supprimer. Les seuls instruments tranchants, ils sont faits avec de la pierre. Et par conséquent, il est difficile à abattre, à moins d'utiliser des procédés comme l'étranglement ou le charmage, c'est-à-dire la destruction de la couche superficielle sous l'écorce que l'on appelle le cambium. Mais en dehors de ce cas, on ne peut pas tuer ces géants-là. De ce fait, cet arbre est sacré, car il apporte et restitue l'eau. Il exprime également le changement saisonnier. C'est ma boucle d'oreille qui vous pose problème. Eh bien, écoutez, on va l'enlever tout de suite. Comme ça, au moins, oui, ça cliquette. On en est débarrassé. Je peux même enlever l'autre. Non, ça va. Ça y est, c'est fait. Voilà. Me voilà les oreilles nues. Et par conséquent, je peux parler beaucoup plus facilement. Cet arbre manifestait le changement saisonnier en raison du changement de coloration de son feuillage ou de la chute de ses feuilles. Cet arbre indique le mouvement solaire en raison du déplacement de l'ombre au sol. Cet arbre enrichit la terre en raison des feuilles qu'il va perdre à l'automne et qui vont se transformer, faire partie de l'humus. Et enfin, cet arbre attire la faune à cause de ses fruits, c'est par exemple le cas des glands pour le chêne. De ce fait, il y a dans l'ensemble de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, des cultes qui sont rendus à ce dieu végétal qu'est l'arbre. Les arbres sacrés, ce qui veut dire qu'ils sont arbres remarquables, et je dirais même archi-remarquables, personne n'oserait les couper, c'est tabou. La malédiction s'abattrait sur celui qui oserait toucher à cet arbre.
Ces arbres sacrés ont au moins quatre caractéristiques. Ce sont des arbres qui sont très longévifs, c'est-à-dire qui vivent plusieurs millénaires, donc compte tenu des conditions de l'époque, on a l'impression qu'ils ont toujours été là et qu'ils seront toujours là. Le fait qu'ils seront toujours là est très important. Ce sont des arbres fructifères. Ce sont des arbres dont le bois est imputrescible, autrement dit, ils échappent à la décomposition. Et enfin, ce sont des bois très souvent qui dégagent une odeur agréable. C'est le cas du cyprès, c'est le cas du cèdre. Cet arbre est façonné de façon à rappeler un homme, ou plus exactement un homme qui serait en prière, c'est-à-dire qui se tiendrait droit, mais les bras dans la position d'implorer la divinité mère. Cet arbre, pour avoir cette forme, est souvent un arbre qui a été étêté. On lui a coupé la tête, ayant donc deux branches symétriques qui se sont ainsi développées, qui sont donc des rejets de tête. Cet arbre, on souhaite qu'il reverdisse chaque année. C'est-à-dire que au printemps, il va marquer le renouveau. Il va donc être lié à tous les cultes de la fertilité de la terre. C'est un arbre, parfois, mais pas toujours, qui a une sève blanche. Sève blanche qui rappelle par conséquent le sperme des hommes. C'est le cas d'un certain nombre d'arbres, comme le figuier, par exemple, dont la sève est blanche. Également, c'est souvent un arbre qui est double. Double parce que ça rappelle le couple. Il a deux branches, ou bien ce sont deux arbres qui sont jumelés, ou encore il y a eu deux cimes qui se sont reconstituées. En effet, c'est cette importance du couple qui donne la légitimation à l'ensemble de cette société néolithique. En quelque sorte, on célèbre de façon symbolique les noces de la grande mère avec l'arbre. C'est une cérémonie, je dirais, qui se reproduit chaque année, mais qui est également une récompense pour certains êtres particulièrement vertueux. C'est le jeu de la métamorphose. Les êtres vertueux, qui vont accéder à une forme d'immortalité, ils ne sont jamais transformés en pierre. Ce sont les méchants. Ce sont les pourris, ce sont les vicieux qui sont transformés en pierre, voire Sodome et Gomorre. Les gens qui sont bons, ils sont transformés en végétaux. Et le couple demeure. Philémon et Baucis vont être transformés en inertes, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation par rapport aux formes de la vie, mais sous la forme végétale, le mâle, Philémon, sera un chêne ou un platane, et son épouse, Baucis, un laurier ou un troène. C'est-à-dire que le couple est constitué par un arbre et un arbuste qui, pour l'éternité, vivront côte à côte. Vous noterez qu'un arbre, un arbuste, l'arbuste, c'est la femme transformée en arbre, et le mâle est avec un feuillage caduc, alors que l'arbre, le petit arbuste qui représente la femme, a un feuillage persistant, car ce sont les femmes qui représentent la pérennité dans la famille. Il va y avoir des traces qui vont rester dans nos sociétés très longtemps. Il y a une trace qui a un peu disparu, c'est ce que l'on appelait l'arbre de mariage, qui a disparu au fur et à mesure que se développait la christianisation, encore que dans certains pays, comme la Roumanie par exemple, cette culture se soit assez maintenue. Au moment du mariage, il y a deux arbres qui sont offerts par la communauté. Ce sont des arbres fruitiers. On craint beaucoup s'il y a un dépérissement ou une mortalité de ces deux arbres. Ce serait le signe d'un comportement déviant et le couple doit l'entretenir et on lui fait un beau cadeau puisqu'en échange de son entretien, ils auront les fruits de ces deux arbres. Une pratique, par contre, qui s'est maintenue, c'est la pratique de l'arbre de naissance, qui est très, très répandue. L'arbre est planté par le père, mais il est arrosé par la mère. Il enregistre l'élancement de l'enfant. On fait une petite encoche au fur et à mesure que l'enfant grandit. Chaque printemps, on aura une encoche de plus et on suivra ainsi l'allongement de l'élan, du rejeton, en espérant qu'il sera aussi rapide que l'élancement de l'arbre. Et parfois, d'ailleurs,
le cordon ombilical de l'enfant est enterré au pied de l'arbre. Par conséquent, vous allez voir dans les documents que je vous ai montrés, un qui symbolise cet élan vers le ciel. Bon, c'est un tableau de Baudelaire, évidemment, je n'ai pas manqué de le choisir. La cime est tronquée, l'arbre a tellement poussé vers les nuages que les nuages, vraisemblablement, ont avalé la cime. Vous avez la représentation de Adam et Ève, et tout le monde sait que le monde ne tournerait pas rond si Ève n'avait pas croqué la pomme, mais dans les représentations qui sont faites, ce n'est pas forcément un pommier qui est représenté. Ça peut être un chêne, ça peut être également un mirabellier, particulièrement quand vous êtes en Lorraine, et là c'est une représentation de la fin du 19e siècle. Donc à différentes époques, on a des arbres différents qui représentent par leurs fruits l'arbre du couple, ici d'un couple maudit. Effectivement, c'est la femme qui porte le poids du péché, et par conséquent, elle est représentée copulant frénétiquement avec un arbre pour représenter, pour repeupler en quelque sorte la terre. Et là, c'est un tableau d'un surréaliste, Paul Delvaux. Qu'il s'agisse des surréalistes ou des symbolistes, ils ont beaucoup utilisé le thème de la femme copulant avec un arbre, en particulier un pin, à cause de la déesse Cybèle et son amant Attis, qu'elle a protégé de la mort en l'enfermant dans un pin. Et enfin, quand je vous ai dit que la femme portait un lourd péché avec son amour débordant pour l'arbre, eh bien voilà un tableau de Segantini qui représente la marâtre, c'est-à-dire la femme prisonnière de ses sens et par conséquent capturée par les branches tortueuses de l'arbre. De ce fait, comme j'ai beaucoup insisté sur le couple, ces couples ils sont tout le temps présents dans la mythologie. Si vous prenez dans l'Inde occidentale, vous avez Ishtar qui engendre Dumuzis, vous avez Astar en Mésopotamie, que vous connaissez aussi sous le nom de Astarté, qui engendre Adonis, et enfin Cybèle, dont je parlais, qui engendre Attis. Et Attis est représenté sous la forme d'un pin, et je dirais que la mort d'Attis au mois de novembre correspond en gros à notre Toussaint, et on sortait à ce moment-là le pain que l'on promenait dans les rues de Rome avec ses bandelettes funèbres et les bouquets de violettes, et c'est resté toute une cérémonie qui est liée aux funérailles. En agissant ainsi, les déesses confèrent à leur amant géniteur l'immortalité. Mais je voudrais remarquer qu'elles lui confèrent l'immortalité soit en l'enfermant dans un arbre, c'est le cas de Cybèle avec Attis, soit en le transformant en arbre, et ça, c'est le cas de Dionysos qui est transformé en platane, et le renouveau du platane est marqué par le fait qu'il desquame, c'est-à-dire qu'il perd son écorce au moment du printemps. Vous voyez que dans ce couple, ce qui est extrêmement important, c'est le problème de la filiation qui est posé. Le problème de la filiation se pose particulièrement à partir de l'âge du bronze, c'est-à-dire entre le 10e siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle, toujours avant Jésus-Christ, où progressivement, on voit que les déesses mères perdent du terrain, vous me pardonnerez la familiarité de l'expression, par rapport au père. Pourquoi ? Eh bien, dans cet âge du bronze, il y a un changement dans les armes plus tranchantes, en raison de la maîtrise du métal, et c'est le moment où, dans les grands bassins d'agriculture de la période néolithique, commencent à se construire des dynasties avec une domination territoriale d'un espace. Que ce soit le fait d'envahisseurs ou d'autochtones qui créent ces dynasties, ils ont tout de même besoin de se rattacher aux croyances principales, aux croyances antérieures. Ils vont donc se rattacher aux grandes mères qui existaient déjà, mais en changeant, je dirais, leur statut. Les grandes mères qui étaient liées donc à ces arbres sacrés vont devenir uniquement des sœurs, des femmes ou des compagnes des nouveaux dieux masculins et guerriers, mais par contre, l'arbre
qui était leur symbole, va être attachée au nouveau dieu qui arrive. La filiation des dieux nouveaux est donc quelque chose qui est très largement répandu dans l'ensemble de ces mythes. Je vais vous en prendre un que j'aime beaucoup parce qu'il a été à la base de très nombreux contes. C'est le cas du mythe de Zeus, qui est le cadet d'une fratrie de trois enfants. Il est le fils d'une grande mère, Gaïa, et d'une abstraction qui s'appelle le temps, Chronos. Or, le temps dévore, c'est l'expression, les fruits de cette union, c'est-à-dire les enfants de cette union. Parce qu'ils contiennent ces gènes, pourtant, mais ils pourraient constituer des rivaux. C'est-à-dire qu'ils se comportent exactement comme des arbres comme le noyer qui émettent des toxines pour, dans la période de maturité, éviter l'installation d'arbres qui leur feraient concurrence. Chronos, en agissant ainsi, perturbe la succession des générations, c'est-à-dire l'ordre naturel. La mère, Gaïa, va donc corriger son erreur dont elle est responsable. Elle va restaurer cet ordre en substituant des pierres emmaillotées aux enfants naturels que Chronos dévorait au fur et à mesure. Donc Chronos va avaler ces pierres emmaillotées sans s'en rendre compte, et les enfants qu'elle a subtilisés, elle va les cacher dans des milieux naturels, la montagne, l'océan et le sous-sol, c'est-à-dire l'enfer. Et devenu adulte, le cadet, Zeus, aidé de ses deux frères, tue le père, je pense que ça intéressera ceux qui s'occupent de psychanalyse ou de psychiatrie, il tue également les clones de son père, c'est-à-dire les créatures qui sont exactement semblables au père parce qu'ils sont nés de ses cheveux. Ils ont donc, à l'époque on ne connaissait pas l'expression, mais ils ont même le même patrimoine génétique que le géniteur. Et ces clones qui sont ainsi tués ou dont s'en débarrassent, ils s'en débarrassent, ce sont les géants qui vont être confinés au ciel ou à l'enfer. À ce moment-là, Zeus est le maître de la terre, c'est-à-dire le géniteur des dieux et des déesses, et donc il va semer dans tout le monde entier des filles, des femmes et naturellement des compagnes. C'est un géniteur donc des demi-dieux et un géniteur de héros. Et le conte qui en est directement l'héritier, c'est le conte du Petit Chaperon Rouge, qui est un conte saisonnier. Un conte saisonnier, pourquoi ? Eh bien, parce que le Petit Chaperon Rouge présente une pierre emmaillotée au loup, qui n'y voit que du feu, qui ainsi alourdit à des problèmes de digestion. Le Petit Chaperon Rouge éventre le monstre, et ainsi, c'est-à-dire le loup. Il va délivrer la grand-mère sans le secours des hommes. Ça, c'est le point extrêmement important. C'est un conte saisonnier qui illustre la gestation de la nature. Les graines sont délivrées des entrailles de la terre au printemps, ce qui vous explique que ce qui compte, c'est de voir la vie apparaître sur terre au printemps et que l'apparition du ver est le signe du renouveau. Donc les arbres feuillus, je dirais, partent gagnants par rapport aux arbres résineux qui toute l'année sont verts et ne semblent pas changer de parure, ce qui explique l'attachement très durable que l'on a eu pour les arbres feuillus aux dépens des arbres résineux. En raison de ce passé, vous pensez bien que les fondateurs des dynasties en ont tiré parti. Je vais prendre deux cas. Le premier cas, à Rome, la fondation de Rome, Rémus et Romulus, deux jumeaux. Leur mère biologique est une vestale, donc une prêtresse, je dirais, asexuée, en tous les cas privée des plaisirs de la chair. Et le père, un être extraordinaire, un dieu de la guerre, un étranger, Dieu sait qui. Mais craignant la concurrence pour ces deux jumeaux, ce roi, mauvais père et peut-être de bon roi, a très peur de cette concurrence. Et par conséquent, la mère va devoir les protéger. En effet, les devins ont déclaré que ces enfants tueraient leur père car ils sont nés du tronc d'un chêne le plus dur qui soit.
Donc, pour protéger ses enfants, elle les confie à une nourrice ou bien, selon d'autres mythes, les jette à la rivière. En tout cas, la nacelle où sont les bébés dérive jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par une racine, c'est-à-dire par l'action d'un arbre. Cet arbre est un arbre qui aime l'eau, c'est un figuier, un saule, un frêne, ce sont des essences que nous allons revoir. Les deux enfants vont être nourris sur les rives du fleuve par une louve, et là on retrouve l'association d'un fauve et d'un arbre pour éduquer l'enfant. Et lorsque les enfants seront grands, ils vont se débarrasser là aussi de leur père. Ce même mythe, eh bien, vous le retrouvez en grande partie dans l'histoire de Moïse. C'est la même structure, c'est la même destinée. Sauf que Rémus et Romulus ont bâti un État, une cité-État, Rome, après s'être vengé, et que Moïse va libérer son peuple et va établir sa religion. Dans tous les cas, l'association arbre et fauve, ce sont des éducateurs d'une divinité ou d'un homme qui est à tous égards hors norme, et par conséquent, on insiste sur cette transmission, je dirais, par les arbres. La force de l'arbre transite en quelque sorte dans l'enfant qui va imposer sa loi au monde. Et là, cet enfant remarquable va être toujours symbolisé par un arbre. Hermès sera symbolisé par un peuplier qui a des pouvoirs divinatoires dans l'île de Samos. Asclépios, qui est représenté par un cyprès, a des pouvoirs divinatoires dans l'île de Chios, c'est le fondateur de la médecine. Hippocrate, représenté par un platane dans l'île de Kos, est le fondateur de la phytothérapie. J'ai donc beaucoup insisté sur cette question de transmission. Voilà comment c'est illustré. Voilà un arbre qui est un saule, fort ancien. Il est entièrement mort. Donc c'est le genre de choses qui étonne, sauf qu'il est quand même vivant, parce que la sève montante et la sève descendante circulent non pas à l'intérieur de l'arbre, mais juste sous l'écorce. Donc l'arbre peut être totalement pourri et mort en apparence. Chaque année, ses branches reverdissent. Et vous retrouvez cela dans le symbole de l'arbre de vie, la croix, où le Christ est mort, et que l'on représente au XVIe siècle sous la forme d'une croix arborescente, c'est-à-dire un bois qui reste vivant, puisqu'il apporte la vie éternelle à ceux qui acceptent la croyance de la foi dans le Christ. Vous avez ici cette représentation de Petrus Christus, un flamand, sur la Vierge à l'arbre sec. Elle donne de nouveaux bourgeons. Elle est entourée par la couronne d'épines, par excellence des branches sèches, et elle porte les premières lettres de amour, adoration, c'est-à-dire le A, première lettre de l'alphabet. Et ici, vous retrouvez un arbre un peu démoniaque, rouge. Vous voyez qu'il, par ses racines, il apporte son énergie à l'enfant qui est dans sa nacelle. On est à l'époque, en plein symbolisme, on est à l'époque de l'électricité, le poteau électrique est à l'extrême gauche du tableau, et la mère représente l'ancien temps avec ses fleurs fanées, alors que l'enfant va baigner dans un nouveau monde, dans une nouvelle technique qui est apportée par l'intermédiaire de l'arbre. Je vous rappelle que l'électricité installée aux États-Unis ou au Canada, on n'a pas installé des poteaux, mais les fils électriques couraient d'arbre en arbre, avec les problèmes que parfois cela pouvait donner d'incendie. Donc effectivement, on constate que le phénomène de transmission est quelque chose de capital dans cette histoire, et c'est dans cette transmission que l'on voit comment on passe progressivement d'un arbre qui est un dieu végétal à un arbre qui est consulté. Cette primauté de l'arbre, elle s'explique facilement. C'est un arbre qui est grand, qui est fort, qui est âgé. Autrement dit, c'est l'axe du monde, celui qui relie le ciel à la terre et au tréfonds de la terre, là où les anciens mettaient l'enfer. C'est un arbre cosmique
Et cet arbre cosmique organise l'univers. C'est lui qui règle la circulation des météores, c'est-à-dire des nuages qui apportent le pluie, qui règle le vent, qui protège du vent, qui permet la possibilité des cultures, qui permet également l'exploitation du sous-sol au niveau de ses racines. Cette idée de l'arbre cosmos, en quelque sorte, est très très fort dans la mythologie celto-germanique, avec deux arbres essentiellement, un très grand et un truc tout petit. En quelque sorte, c'est l'invention avant la lettre chez les arbres de Laurel et Hardy. L'arbre très grand, c'est le frêne Yggdrasil, qui représente le Fraxinus excelsior, c'est-à-dire le frêne qui est le plus grand, qui dépasse les 45 mètres de hauteur, dont le tronc est très raide, avec des branches remontantes. Il a besoin de beaucoup d'eau. Il a également besoin d'un terroir riche. Il attire la foudre en raison de sa hauteur, ce qui vous explique que le frêne est représenté comme le bras armé du dieu de la guerre, le Jupiter, en quelque sorte celte et germanique, que l'on appelle Odin. Il attire également la pluie, c'est-à-dire qu'il représente un bienfait pour l'agriculture. Cet arbre a une très grande visibilité dans le paysage, pour deux raisons. D'abord, sa foliation est tardive. Les feuilles se forment uniquement à la fin mai. Ce sont des petites feuilles d'un vert un peu doré et la tendresse de ce vert contraste avec les autres nuances de vert qui caractérisent les arbres. Et c'est un arbre qui souffre de défoliation précoce dès le début novembre. Donc le premier qui est déplumé, on sait que c'est le frêne. Il a également, du fait de son rôle par rapport aux pluies, par rapport à l'eau, une place dans le calendrier celte. Du 25 mai au 23 juin, c'est le mois des crues nivales. Et donc, on dit que c'est le mois du frêne. Et du 22 novembre au 1er décembre, c'est le mois des pluies automnales. On dit encore que c'est le mois du frêne. Donc, le frêne a deux mois, en quelque sorte, dans l'année. Son partenaire, c'est un tout petit bout de chou que les enfants connaissent bien, parce que ça s'appelle le noisetier. Son autre nom, c'est le coudrier. Le coudrier, c'est un arbrisseau. Ce n'est même pas un arbuste. Il fait moins de 8 mètres, c'est-à-dire qu'il a un aspect ramifié du collier à la racine, avec un tronc très souple, donc le contraire du frêne, et avec des branches tombantes, c'est-à-dire le contraire, là aussi, du frêne. Et on fait une analogie avec l'enfant, à cause de la petite taille. L'enfant, quand il est tout petit, on dit parfois « mon petit chat ». Ou encore mon chaton à un enfant. Eh bien, ça tombe bien, parce que le noisetier, il porte des chatons au printemps, ils sont même les premiers qui se développent. L'arbre est facile, je dirais, à planter. Il lui suffit un peu de boue et d'eau, c'est-à-dire de nourriture, pour se développer, comme l'enfant. Il a une croissance rapide, comme l'enfant. Et également, il a une diffusion multiple. Il existe sous toutes ses formes. Il émet des rejets, des marcottes, des boutures. Donc, vous pouvez toujours prélever un coudrier, le replanter et vous faire une haie à partir d'un seul. Le paradoxe, c'est qu'au fond, c'est ce petit arbre qui fait tout. En effet, c'est ce petit arbre qui concentre tous les savoirs et tous les pouvoirs. C'est lui, la mémoire d'Odin. Et quelque part, cet arbre, le coudrier ou encore noisetier, illustre au fond que la sagesse prime sur la violence. Il n'y a pas besoin d'être grand et fort pour être sage. Le petit peut être aussi fort et même plus fort et plus puissant que le plus grand. La preuve, Odin a besoin, pour sa mémoire, de passer par l'intermédiaire du petit coudrier. Cet arbre, selon la région, ce sera le coudrier, ailleurs ce sera le bouleau, rentre dans le processus chamanique. Le jeune Odin a dû être initié, c'est-à-dire préparé à l'instruction. Pour être initié, il a dû avoir 9 jours de jeûne pour nettoyer son corps et par conséquent éteindre ses pulsions. Je suppose que privé de nourriture pendant 9 jours, les pulsions retombent. Il a pu également vider son esprit, c'est-à-dire éliminer tous les acquis. Pour pouvoir incorporer davantage le savoir,
Il va se flageoler de manière symbolique avec soit des branches de noisetier, soit, si on est dans le nord de l'Europe, avec des branches de bouleau. Ça active le sang, ça évacue l'impur. Et également, à partir de ce moment-là, il va pouvoir approcher l'arbre cosmique, le coudrier savant, le savant des plus savants des arbres, qui, par les 9 branches et les 9 racines, va communiquer son savoir du monde visible et du monde infernal à l'initié Odin, et Odin en fera la même chose à tous ceux qu'il approchera. À ce moment-là, Odin peut aller voir l'être, le frêne Yggdrasil, instruit par Mimir. Yggdrasil va enseigner l'écriture à Odin, et Odin va à son tour enseigner l'écriture au premier homme, l'Adam en quelque sorte judéo-chrétien, que l'on appelle Ogam. Et cela a donné le nom de l'écriture dans les pays scandinaves. C'est tiré de l'aubier, du coudrier ou du bouleau, et on marque les encoches, c'est l'écriture runique, on dit encore l'écriture ogamique, qui repose sur un système d'encoches. Chaque lettre est sacrée, elle renvoie soit à des recettes médicales, soit à une réflexion spirituelle, et chaque lettre renvoie également à un arbre. C'est pourquoi parfois on parle de l'alphabet de l'arbre. Et de ce fait, ça nous a quand même touchés. Prendre le nom d'un arbre, c'est prendre quelque part un peu de ses vertus. Donc ne vous étonnez pas si parmi vous, il y en a certains qui s'appellent Fayard ou Foyard, ça renvoie au être. Si certains s'appellent Châtaignier, par exemple, ou Charme, Charmé, etc., ce sont des noms qui viennent d'ancêtres qui se sont identifiés à un arbre, et pas seulement à des ancêtres qui, à l'entrée de leur ferme, avaient ces arbres-là. Par conséquent, le phénomène de l'instruction est quelque chose de capital dans le cadre de l'enfant. Vous voyez donc l'arbre et l'enfant de Hodler qui est devant ce noisetier. Vous avez la plantation, parce que chaque année, il faut refaire cette cérémonie qui rassemble la communauté, l'arbre de joie, l'arbre de mai, qui est planté dans l'hôtel de ville de Louvain, mais qui est très représenté parce que c'est la joie, qui est régulièrement montré dans la peinture flamande, mais pas seulement flamande. Vous voyez ce petit arbre, qui est d'ailleurs à côté d'un frêne, et qui est avec les couronnes de fleurs, pour montrer que c'est ce petit arbre qui compte. Et vous avez, en pays scandinave, dans le tableau du Suédois Andersson, tout au fond, vous avez l'arbre de joie qui est planté pour la Saint-Jean, c'est-à-dire pour la nuit la plus courte de l'année. Donc l'instruction, c'est quelque chose qui transite par les arbres à un point auquel nous avons un peu perdu l'habitude de voir l'importance. Ça nous paraît évident que, comme vous êtes de la même génération que moi, vous avez peut-être appris votre alphabet avec des lettres de bois. Aujourd'hui, ça ne se fait plus guère, mais pendant très longtemps, ça s'est fait. L'instruction, en effet, l'éducation, c'est un bienfait des dieux. C'est le cas dans ce que je viens de vous expliquer. Mais c'est aussi un bienfait qui est donné par les clercs dans une société où c'est l'Église qui assure la réussite, soit par la promotion dans l'ordre religieux, soit elle instruit les enfants du négoce ou des offices qui auront ensuite de hautes fonctions. La plupart des gens n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas d'instruction, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas calculer, ni diviser, ni multiplier. Ils ne savent pas écrire. S'ils signent, c'est juste avec une croix. Ils ne savent pas déchiffrer. Ils apprennent par cœur. On est dans le règne du par cœur. Ou avec l'arbre, au contraire, c'est le domaine de l'écrit. Et non pas de l'oral, c'est le domaine de l'écrit et non pas le domaine du par cœur. On a donc mis en place ce que l'on appelle l'arbre à alphabet. Les petits-enfants apprenaient à lire dans un ouvrage religieux, la Bible ou un missel. Et ils commençaient par la lettre de tête, c'est-à-dire par la grosse lettrine qui est la première lettre du texte et qui est toujours celle qui est enluminée. Elle est très grosse, donc l'enfant peut facilement la voir.
Cette lettre de tête était reproduite en bois, isolée. Dans ce cas-là, c'était une lettre seule, mais on pouvait avoir des lettres qui étaient regroupées dans cette petite sculpture en bois. Et dans ce cas-là, c'était l'apprentissage de syllabes en plaques, c'est-à-dire l'apprentissage d'une lecture syllabique. Dans le cadre de cet arbre à alphabet, intervient en 1488 une innovation très remarquable à propos des sermons de Johann Gessler von Keysersberg. Ces sermons, qui, je dirais, suscitaient un extraordinaire engouement, sont recopiés et illustrés par un ordre féminin, un ordre religieux féminin, les pénitentes, qui étaient représentées à Strasbourg, Augsbourg et Fribourg, les grandes capitales de l'imprimerie, qui sont les capitales de l'imprimerie à la fin du XVe siècle. Là, c'est une version manuscrite, mais ensuite, il y a eu une diffusion imprimée. Et ce qui est très intéressant, c'est la position de cette lettrine illustrée par un arbre. Cet arbre a comme position la cime, la frondaison, qui va jusqu'à l'entête de la page, c'est-à-dire qu'il est largement la cime est largement étalée dans la marge supérieure, ce qui symbolise toutes les possibilités qui vont être offertes par l'instruction. Les racines de l'arbre vont descendre jusqu'à ce qu'on appelle le pied de page, la partie visible, qui montre que l'instruction est le fondement de toute chose. Le maître, qui apprend donc la lecture à l'enfant, est installé à l'ombre du géant, et lui, il a le rouleau et la plume. Pourquoi le rouleau ? Mais parce qu'à l'époque, le livre n'est pas broché ou relié comme vous le connaissez. C'est un rouleau que l'on déplie et que l'on range ensuite dans un rouleau protecteur de peau. L'enfant est au pied du maître, c'est une position de soumission, et lui n'a ni rouleau ni plume, parce que, tout simplement, c'est un ignorant. Le principe sur cet arbre démarque en quelque sorte deux types de repérage. Il démarque ce que l'on appelle l'abécédaire circulaire, qui souvent était fait mouler dans du plâtre, comme une couronne, ou encore l'arbre pascal, qui était une sorte de petit pieu avec des pancartes tout autour, à l'emplacement de la cime, où l'on indiquait quels étaient les fabriciens qui devaient tenir l'église cette semaine-là. Le feuillage de cet arbre est sphérique, quasiment comme un pommier, et là on retrouve cela, avec 23 branches, qui portent chacune 23 lettres. Vous allez me dire, pourquoi 23 lettres pour l'alphabet ? Eh bien, tout simplement parce que, à l'époque, n'existe ni le W, ni le X, ni le Y. Il n'y a presque pas de feuilles, pour la bonne raison qu'on ne connaît à l'époque que la sève montante et non pas la sève descendante. Or, la transformation de la sève montante en sève descendante avec nourriture de l'arbre à chacun de ses étages, ça se fait dans les feuilles, mais à l'époque, on ignorait totalement cela. L'organisation de cet arbre est importante. Les lettres basses, qui sont en position basse, c'est A, B, C, D, c'est-à-dire les premières lettres de l'alphabet, D indiquant Dominus, Dominus. Dominus, le maître, mais Dominus, celui qui régit tout. La lettre sommitale, c'est un M, car cela représente Marie, et c'est au milieu de l'alphabet, et cela renvoie à la fois à Marie et à cause des trois jambages, à la Sainte Trinité. Donc on retrouve toujours la symbolique religieuse dedans. Et enfin, l'arbre, vous savez que la partie du bois qui est précieuse, c'est ce qu'on appelle le libère, c'est la même racine que arbre. Et selon le moment où on se situe, le livre est fermé, dans ce cas-là, l'instruction n'a pas encore commencé, ou le livre est ouvert, l'instruction a commencé. Ça souligne bien la puissance de l'instruction qui va aller crescendo au XVe, XVIe siècle, avec des représentations différentes chez les protestants et chez les papistes. Mais dans les deux cas, l'arbre est présent pour apprendre aux tout petits. C'est un moyen, je dirais, qui intéresse les enfants. Et regardez dans les écoles maternelles l'entrain avec lequel les enfants dessinent des arbres. Chez les protestants, on insiste sur le rôle des femmes dans la connaissance de la Bible. C'est donc par elles que va être apportée la lecture. Et on voit donc au pied de l'arbre une mère qui montre la Bible aux enfants.
Chez les papistes, au contraire, on insiste sur le fait que la Vierge était instruite et que la famille donc, de Satan, la mère de la Vierge, était familière des livres saints, et c'est très représenté dans la peinture flamande, je pense par exemple à l'œuvre de Quentin Metsys. Sur ce tissu général, on a créé de nombreuses déclinaisons pédagogiques à partir de l'arbre. Vous avez ainsi des arbres à dialogue. Je suis sûre que ça va vous dire quelque chose. Au XIIe siècle, vous avez donc des arbres où l'on complète les petites pancartes sur les distinctions permettant de caractériser les différents monothéistes. Ça, c'est l'arbre pour les savants. Et à partir du XIIIe siècle, vous avez un arbre qui est plus destiné aux enfants, avec des pancartes qui représentent l'arbre de la sagesse, et les enfants doivent compléter sept pancartes qui représentent les sept vertus cardinales sur les sept branches principales de l'arbre. Vous avez après cela des arbres qui servent à écrire. Et là aussi, on retrouve ça dans nos cahiers de vacances. Vous avez des arbres qui portent des cartouches. L'enfant a complété le mot exact à partir de la première lettre qui lui est donnée sur la cartouche. Vous avez également des arbres à banderoles. L'enfant a complété des phrases complètes qui représentent des sentences sur la morale que l'on veut lui enseigner, l'instruction civique en quelque sorte par l'arbre. Vous retrouvez un de ces arbres à alphabet au XIIIe siècle avec les arbres qui pend et puis le maître qui donne la bonne parole aux enfants. Un arbre alphabet très astucieux, là avec la lettre F. Et pour chaque lettre, vous avez un arbre différent. Là, c'est du début 19e siècle. Vous avez un arbre 20e siècle qui est composé de lettres que l'on met en foule. Et c'est à l'enfant d'ordonner ces lettres sur les branches selon ce que demande l'institutrice. Des branches tout en jaune, des branches tout en rouge, etc. De former des mots sur l'arbre avec ces différentes lettres. Et enfin, un arbre que tous les enfants font spontanément, c'est l'arbre représenté par Kuno Amiens qui avait une grande passion pour les pommes, c'est l'arbre monde en quelque sorte, avec dans ce verger de très nombreuses scènes sur la vie rurale et l'impression de l'allégresse, de l'abondance qui est donnée par l'arbre à pommes. On est très loin de l'arbre du péché originel quand on voit l'arbre de Kuno Amiens. Donc, très important, par conséquent, la représentation qui est possible à partir d'un arbre. Dans l'Antiquité, on accordait une grande importance à l'ordre descendant, c'est-à-dire l'ordre qui reliait l'ancêtre, forcément glorieux, à la descendance, qui était forcément moins brillante. On avait vraiment l'idée qu'au fur et à mesure que la race, comme on disait, de la famille passait, il y avait une sorte, je ne dis pas de dégénérescence, mais d'affadissement du sang, c'est-à-dire de la sève, de l'arbre, qui représentait la famille. À la première génération, le pater familial, créateur en quelque sorte de la dynastie, tranchait de tout, l'achat des terres, l'organisation des alliances, et puis par la suite, de l'amont vers l'aval, on faisait ce qu'on pouvait, dans tous les cas, dans la mesure du possible, on se transmettait le sang, les biens, les valeurs, si possible. En tous les cas, les terres, c'est ce qui passait en premier. On avait donc l'idée que, déjà dans l'Antiquité, qu'au fur et à mesure que les générations passaient, il y avait une sorte de décadence, de dégénérescence qui opérait. Et on a retrouvé ça dans le cadre des conceptions, religieuses, christiques, ou dans des religions, dans les conceptions politiques et étatiques. Si vous prenez les conceptions religieuses, tout à fait en haut de l'arbre, au-dessus de la cime, vous avez Dieu le Père, vous avez juste en dessous Jésus-Christ, c'est-à-dire le Rédempteur, que l'on appelle la fleur du sang, ou encore le fruit du sang. Et puis, en dessous, vous avez les différents composants christiques de la Vierge Marie à tous les descendants possibles. On a donc représenté cet arbre en fonction de cela, dans les enluminures, à partir de la fin du XVe siècle. C'est à l'époque, les gravures
Mais les tableaux également se lisent différemment d'aujourd'hui. Regardez ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une scène et c'est tout. Alors qu'à l'époque, ça fonctionne avec un système de multiscènes. Ça commence dans la marge supérieure, ça se lit de gauche à droite, et vous descendez avec une scène supplémentaire vers le bas, et cette fois-ci de droite à gauche. Donc ça se lit comme ça. C'est une lecture qui est très différente de celle que nous avons des images d'aujourd'hui. On fait bien une distinction entre l'image et la lecture. Le fruit sommital, celui qui est donc le plus exposé au soleil, qui est le premier à mûrir, c'est le fruit le plus beau. C'est le plus difficile à atteindre également. Là aussi, il y a tout de suite le message moral qui vient avec. Et les fruits les plus bas, ben, ce sont les fruits les plus faciles, ceux que n'importe quel garnement peut ainsi cueillir. Et c'est à l'origine de ce que l'on a appelé l'arbre généalogique. Alors la plupart des gens sont persuadés que quand on parle d'arbre généalogique, c'est forcément un arbre. Non, les premiers, c'était des entrelacs de végétaux ou encore des lianes comme des vignes. C'est progressivement que l'arbre s'est véritablement imposé. Et le premier arbre qui s'est imposé, eh bien, c'est le frêne. Pour la signification religieuse dont j'ai parlé tout à l'heure, un arbre immense et fragile qui porte en lui la symbolique de la résurrection, puisque c'est le premier à mourir symboliquement, c'est-à-dire à perdre ses feuilles en tout début d'automne, et c'est le premier et le dernier à réapparaître au cours du printemps. Le premier arbre généalogique avec un frêne qui est représenté, c'est l'arbre généalogique de la famille de Navarre en 1538 et ensuite de la famille italienne, les Alberi, en 1580. Cela dit, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une sorte d'inadaptation. Représenter la solidité familiale et l'implantation foncière par un arbre aussi haut, aussi vulnérable à la foudre, au renversement du vent, c'était pas extrêmement malin, disons. En plus, il y avait une incohérence entre le sens normal de l'arbre avec la sève montante, alors que l'on parlait de l'affaiblissement du sang au fur et à mesure du passage du temps. Je vous rappelle que c'est jusqu'à la fin du XVIIIe siècle que l'on ignore l'existence d'une sève descendante dans les arbres. Également, inexactitude de la morphologie de l'arbre. Cet arbre, tel qu'il est représenté, il semble puiser sa force du Dieu éternel de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le ciel, alors qu'en fait, c'est l'homme qui, normalement, devrait puiser son inspiration dans le ciel. On a esquissé une solution à partir du XIIIe siècle, mais qui ne sera pas reprise. Mais par contre, cette solution reviendra en force au XVIe siècle. Et vous vivez avec le schéma de cet arbre généalogique du XVIe siècle. On l'a en quelque sorte laïcisé. Pof, terminé. En haut, vous n'avez plus le Père éternel, ni Marie, ni les saints. Comme ça, au moins, c'est terminé. Vous avez simplement l'ancêtre de la famille qui est placé en haut. C'est la laïcisation avec l'ancêtre qui est placé dans les nuées. C'est normal, il est mort depuis très longtemps et on espère qu'il est un bienheureux au paradis. Et on descend les différents degrés de génération jusqu'à la base de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre généalogique fonctionne dans le sens descendant. Il a en quelque sorte, j'aime bien cette expression qui fait quand même assez rêver, il a en quelque sorte des racines sommitales et il a des rameaux racinaires qui sont occupés par les dernières générations. En gros, cet arbre généalogique, il fonctionne comme un baobab. Quand vous regardez un baobab, les branches du baobab, elles ont l'air de petites racines qui poussent en direction du ciel. Cette généralisation de l'arbre généalogique est donc quelque chose... je dirais, qui est très répandu. Beaucoup d'entre vous ont dressé l'arbre généalogique de votre famille avec l'auteur qui est placé tout à fait en bas document. Et c'est à cette dernière génération, en fonction du sang reçu, c'est-à-dire de la sève de l'arbre, de continuer la propagation, le maintien de la famille en faisant de nouveaux rejetons et assurer la possibilité également de l'enrichissement de la famille, ce qui suppose d'intégrer et de maintenir les différentes possessions de la famille. Et du coup, dans les familles dynastiques, on a commencé à voir apparaître des arbres généalogiques où il n'y avait pas seulement les hommes, mais également les femmes, parce que les femmes transmettaient des terres.
C'est donc à partir du moment où, dans la noblesse, et encore plus dans les monarchies, on veut un arbre généalogique le plus complet possible pour montrer l'importance de ces alliances et de ces possessions, que vous avez des arbres généalogiques qui font 3 mètres de large. Quand vous prenez l'arbre généalogique des Habsbourg, c'est quelque chose qui est tout à fait impressionnant. Mais c'est vrai que les Habsbourg avaient de nombreux problèmes d'héritage à régler à l'intérieur de l'Europe. Et on retrouve donc à côté des femmes, dans un cartouche, les possessions qu'elles ont apportées à la famille. Car je vous rappelle que les femmes apportent des dots à la famille du marié qu'elles ne récupèrent pas, puisque à la mort de l'époux, tout revient aux enfants de ce couple, elles ne gardant que la part qu'on appelle le préciput qui leur a été précisée dans le contrat de mariage. Alors ces arbres généalogiques, je vous en ai présenté un certain nombre. Voilà un arbre généalogique qui est une tête de liste, en quelque sorte, dans une enluminure du XIVe siècle allemande, qui représente l'arbre de Jessé, c'est-à-dire la famille de la Vierge Marie jusqu'au Christ. Je regrette moi. Et vous voyez que progressivement, dans les arbres généalogiques, on abandonne le frêne, car pas assez de branches, trop haut, etc. Et on préfère le chêne, mais pas n'importe quel chêne. Le chêne qui vous est montré là, c'est un chêne de clairière. Par conséquent, il a étalé sa cime en forme de pommier, avec des branches latérales qui sont hypertrophiées. Vous imaginez, dans un arbre comme ça, le nombre de rejetons, le nombre de branches, le nombre de rameaux que vous pouvez inscrire dans un arbre semblable. Et effectivement, voilà un arbre carrément en pommier qui est celui de la famille du peintre pointilliste Edmond Cross. Il lui-même donc a dressé ainsi son arbre généalogique. Et vous voyez que ce pommier a quelque chose d'un peu particulier parce qu'il a conservé le souvenir qu'il y avait eu des arbres généalogiques sous la forme de la vigne, c'est-à-dire très torsadé. Je vous rappelle que la vigne est un arbre. Hein. Simplement, c'est un arbre qui a une particularité puisque ça appartient à la catégorie des lianes, mais c'est un arbre. L'arbre généalogique, cette fois-ci, beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial, que tout le monde peut faire, avec au bas un garçon et une fille, dont l'un porte une guitare, et vous voyez qu'il a placé joyeusement tous ses cousins sur cet arbre. Et au fond, ce que je viens de vous expliquer, ça tient au fait que l'arbre a plusieurs sens. Vous pouvez avoir un arbre, ici un peuplier, mais quand vous parlez d'une feuille, d'une branche ou du soleil, ça vous renvoie automatiquement à l'arbre. Donc vous pouvez utiliser différents symboles. À partir du moment où vous avez l'arbre qui se détache sur le ciel avec le soleil qui monte à l'horizon, vous avez toute l'usine énergétique qui est nécessaire à la vie d'un arbre. Et ça vous explique qu'au fond, on a quand même bien conscience que c'est l'arbre qui nous protège. Depuis l'origine du temps, l'arbre est notre parent, tellement notre parent que certains d'entre nous portent le nom d'un arbre. Il nous protège. Mais parce qu'il nous protège, il faut qu'il demeure. Donc également, protégeons-le. Et c'est ce que montre l'artiste Ute Lennemars en ayant fait cette œuvre qui ressort du Land Art, où elle a recouvert l'arbre d'une sorte de chaussette de tricot arc-en-ciel, qui montre l'arbre en pleine lumière, en pleine joie, en quelque sorte. Ça caractérise donc cette œuvre. C'est un arbre, je dirais, à chauffer, c'est-à-dire qui vous réchauffe le cœur en le voyant. Ce n'est pas un arbre à transformer en bûchette destinée à un poêle. C'est un arbre à aimer, c'est-à-dire un arbre qui est individualisé. Car tout ce que je vous ai dit, ça caractérise des arbres individualisés, des arbres sacralisés, rien à voir avec les arbres en forêt qui sont destinés à être exploités pour assurer les nécessités que nous avons en bois de chauffage, en bois d'industrie ou en bois d'œuvre. Et je vous rappelle que c'est en coupant les arbres et en transformant ce bois en meubles
que vous assurez la régénération d'une forêt, car c'est dans la période de croissance de l'arbre qu'il stocke le gaz carbonique dont nous avons tellement besoin de nous débarrasser pour lutter contre l'effet de serre. Donc, exploiter les forêts pour assurer la régénération de ces forêts en stockant le bois sous forme de mobilier pérenne, eh bien, c'est la meilleure chose, je crois, qui est à faire. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à vos questions. Merci, madame, beaucoup pour cette conférence brillante qui nous a fait rêver et qui nous ouvre de nombreuses perspectives, à la fois historiques, mais aussi immédiates par rapport à nos enjeux climatiques actuels. Et maintenant, je vais passer la parole à la salle si vous avez des questions à poser à madame Coirol. Ne croyez-vous pas que dans les parcs publics, ce serait bien de...